n'a jamais démarré ce combat. Oh, ça c'est une bonne garde. Attends, il passe une bonne droite, Tyson. Sur la tête, et voilà Tyson Fury au sol, comme un gros sac de patates. Bah, quel tournant dans ce combat quand même. Est-ce qu'il était dans un mauvais jour peut-être? Massa, jusqu'à le gars a vu les étoiles. Vous-même, vous avez vu, lui-même, il était sur les noirs, il ne connaissait même plus où il était. S'il était à la même MMA, mort, le gars le finissait une fois, mais malheureusement, c'était la boxe anglaise. C'est là où il a été un peu chanceux. Vraiment, ça, c'est du loup. C'est de, on appelle ça de coups de poing, les hypercutés. Puis, c'est du loup. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y avait des grandes célébrités qui ont assisté au combat de Ganou et de Tyson Fury. Ce n'était pas de n'importe quoi. Donc, le valeureux Cameroun a franchement rehaussé l'image du Cameroun. Voilà, nous, on voyait toutes les célébrités qui ont décidé, qui venaient que de Ganou, hein, pas de Tyson. Donc, Are you excited? Huh? You excited? Yep, very excited. What's your prediction? I think next year will win. Thank you. Les invités, dont les spectateurs même qui étaient là pour voir le combat. Donc, ce n'est pas de n'importe qui était dans la salle. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas de cas. Grand P, est-ce qu'on peut commencer? Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des Tolus du Quad. Oui, c'est les Tolus du Quad, comme je le dis toujours à l'accoutumée. Pour celui qui veut mettre ses organes à la parole, qui passe seulement comme un taxi, plan passé à ce qui concerne les retours là, non, les retours ça ne me concerne jamais. Je ne connais moi rien moi des retours. Donc, si tu veux venir à tes retours là, non, parce que j'ai des commentaires qu'on capte ici, c'est le commentaire des Manchundong Kati. Oui, quand je parle de Manchundong Kati, vous me connaissez, c'est les quartiers difficiles là, donc les bas étages là, donc le commentaire qu'on tape au niveau des bas fonds. Oui, c'est le genre de commentaire qu'on tape ici là. Pour ceux qui ont raté le combat, vous me aussi, voyez un peu quelques petits extraits. Quelques petits extraits seulement hein, du combat entre Ganou et Tyson Fury. Vous-même, vous allez voir les gauche-droite, dont le tang-tang, que les gars ont sorti de tous les côtés. Donc, pardon, venez vous asseoir, vous écoutez. Oh, venez. Tu réalises, Marc. Fury ne fait rien, ne tente pas sa chance, donne des petits jabs de temps en temps. Mais il est complètement inactif, c'est encore Ngannou qui va aller. Si Ngannou va le chercher, il va gagner un rang de plus. Parce que Fury ne fait absolument rien. Un Superman punch. C'est pas dans le corps. Mais de la scie. Ah, je pense que l'arbitre ne peut rien dire hein, sur le Superman punch. On le voit jamais en boxe. Mais y a pas, je pense pas qu'il y ait un coup illégal sur un Superman punch. En tout cas, il n'a pas. Il l'a pas dit à Francis Ngannou et franchement on est peut-être là à 10 secondes de la décision du résultat le plus incroyable de l'histoire des sports de combat parce que franchement je ne sais plus. Quel combat en tout cas de mais le vainqueur quoi en tout cas quoi qu'il arrive le vainqueur c'est avant d'avoir le pointage chez Francis Ngannou parce qu'il a envoyé Tyson Fury au sol et que Fury n'a jamais pu développer sa boxe de tout le combat. Alors qu'il l'a fait face à Deontay Wilder, face à Dillian White, face à plein de grands champions. Mais là. Oh, attention, il ne faut pas que ça tourne au vinaigre là parce qu'il y a des.